Essayez de faire votre entraînement avec son esprit. Ça va? Ok? Comme nous l'avons déjà dit, le but de ces 6 entraînements, le doel van deze 6 trainingen, waren u te motiveren, c'était pour vous motiver à travailler certains aspects, hein, om enkele aspecten te werken. Niet zoveel om nieuwe kata of nieuwe yaksokokumite te leren of zoiets. Pas tellement pour apprendre de nouveaux yaksokokumite ou de nouveaux kata, etc. Mais plutôt pour tout ce que vous avez, parce que vous êtes quasi tous ceinture noire jusqu'au cinquième dan, plutôt pour vous, je suis les alles wat erovers tot en met vijfde dan. Donc il y avait 6 aspects, il y a 6 aspects que je voulais vous intéresser. Le premier c'est la respiration. De eerste is de ademhaling. In- en uitademen. Inspirer, expirer. C'est vraiment fondamental dans le karaté. Ça c'est un aspect. Deuxième, c'est la décontraction, la relaxation, la contraction, le travail des muscles abdominaux. Hein, dus concentratie, relaxatie, contractie van de spieren, zeker van de buikspieren, enzovoort. Le troisième aspect, le derde aspect, is aanwezig te zijn. Altijd, altijd, altijd aanwezig te zijn. Le troisième aspect, c'est vraiment être toujours, toujours présent dans ce que vous faites. Si vous faites un coup de poing, soyez présent. Si vous faites une défense, soyez présent. Dus ofwel het is een verdediging, ofwel een aanval, jullie moeten aanwezig zijn. In een kion, in de katas ook. Hein? Dans le kion et dans la kata aussi. Donc si dans un kata, il y a un mouvement ici, vous êtes bien dedans, mais le suivant, il faut être dedans aussi. Hein? Ça va? Il ne faut pas ici frapper fort et puis on ne sait plus où on est. Hein? Ça va? Chaque mouvement, il faut être présent d'esprit. Si ces trois aspects-là, en divers aspects, un peu better verwerken, s'ils sont bien travaillés, on va arriver au kimé. Hein? Le kimé, c'est la concentration de la puissance, de la force, de la concentration, de la kracht, van uw slag. Ça, c'est très important aussi. Le cinquième point, c'est les déplacements, votre plaatsing. Chaque fois que vous vous déplacez, tous les autres points, les 4 premiers points, doivent être présents aussi. Si les 4 premiers points sont présents, vos déplacements vont être extraordinaires. Mais il faut que ce soit présent. Et n'oubliez pas, comme M. Gabriel l'a dit, le déplacement, c'est le cœur du vivre. Dus, lieve Gabriel, wat Gabriel Sensei zei, de verplaatsing is hart van de droit de vivre. En dan komen de Thai Sabaki. De Thai Sabaki, ce sont les esquives, hein, dus uitwijken enzovoort. Hein. Dus dat gaan we ook studeren. Le travail des hanches pour ces 6 points ou du bassin est fondamental. Hein. Geen karaté zonder dit. Hein. Geen karaté. Dat bestaat niet. Hein. Ok, on va travailler ça. Qu'est-ce que... On va faire les déplacements en sanshin, comme on a fait chaque fois le sanshin kata. Oui. On
commence comme kata. Pitch. Ni. Pitch. Ni. Pitch. Ni. Let's get ready. Relax. Ida le gamin. On place toujours le pied et il n'y a rien qui bouge. Nix, il est bewogen van de heupen. Nix. Alleen maar de voet moet zich plaatsen. C'est un exercice très important pour vous qui donnez cours. C'est une oefening heel belangrijk voor degenen die cursus geven aan de beginnelingen. Pour leur faire apprendre qu'est-ce que c'est la rotation des hanches. Si on fait tout de suite comme ça, men denkt alleen maar aan de harmen. Oké, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. Oké, c'est 1, préparation, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, on va s'entraîner comme ça le premier kilo. Qu'est-ce que? On va le faire lentement d'abord. Kant kata. Et hey! Met aandacht, avec attention, plus vous entraînez cet exercice, avec attention, avec uw geest, en uw lichaam, hoe mieux va devenir votre karaté. Ok, on fait Kion Kata 2, avec Maïgri, langzaam om te beginnen, lentement. Qu'est-ce que Kion Kata 2, oui. My girl. Hey. Hey. My girl. Hey. Hey. You're now going to get to the head. Yeah. Okay. Hey. Hey. Hey! Oh! Hey! Oh! Oh!
Vous avez pinan idam. Qu'est-ce que pinan idam. Hier ook, onmiddellijk. En dat kunt u doen alleen maar als u dat hebt geleerd. Anders zult u niet doen. Maar rien qu'au début, ici on est assez haut. Et on va en bas. Donc on apprend à utiliser le corps. Ok. Ici on est tout à fait. Men is helemaal zo. Men gaat 90 graden draaien. Hier. Ici on est bas et on va aller haut, c'est aussi une énergie, ok, qu'on apprend. Ici on est haut, on va bas, c'est aussi de l'énergie. Ok, et ici, zoom où tu lis les katas, zin, c'est ainsi qu'il faut voir les katas. Et si on s'entraîne tout le kata, on oublie ces éléments, parce qu'on est vite stressé d'arriver au etc. Parce qu'on est kata te frappe doute. Of helemaal in zo'n geheel, dan zijn de belangrijke dingen vergeten. Dus daarom moet ik die choses principales. Dan kom ik voor nog een keer. Kijk, kijk. Hé! Pien aan Chagall. Pien aan Chagall. Hé! Hé! Ja! Hé! Ho! Hé! Ho! Ho! Hé! Ja! Oké. We zijn hoog, we gaan terug, laag, on va, on est haut, on va, en bas. Mais il y a une défense, ici, après on attaque, ici, il y a un coup, une défense. Et maintenant on attaque avec le dos, une valtan de l'église, nous allons quitter, hier haut. Hier, en klaar om iets anders te doen. Prêt pour faire autre chose. Et en chaudan. En chaudan. Hey. Hey. Hier. En en chaudan. En chaudan. Hey. Qu'est-ce que c'est? Pinan yoda. Pinan yoda. Hey. Toujours s'entraîner avec ça. Ça va altijd iets kunnen trainen. Il pourra toujours s'entraîner, il pourra toujours trouver des choses. Si vous êtes débutant, vous allez faire plus attention à votre forme, etc. Simplement à la forme. Ok. Si vous êtes plus avancé, vous pouvez faire plus attention au kiné, au mouvement, ou au déplacement, etc. C'est ça qu'il faut rechercher dans ces exercices. Ce n'est pas seulement répéter un mouvement comme ça, etc. etc. C'est votre travail. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. C'est comme ni au plus place. Dat is heel belangrijk in karate. Lesgeven is heel goed, maar hij kan u niet. Hij kan uw beweging niet op uw plaats maken. Un entraîneur de karate ne peut pas, ne fera jamais. Les exercices à votre place ou les kimés à votre place. C'est vous qui devez l'apprendre. Ok. Grand veille, pinan veille. Cinquième pinan. Qu'est-ce que pinan voilà. Pinan voilà. Oui. Hey. Hey. Ah. Oui. Hey.
Okay.